effectivement, va informer la CEDEAO de la situation de la C14. Ça, ça revient à la C14. Il va informer la CEDEAO de tout le processus. Bon, sur les autres points, effectivement, Maître Abidjan, il a dit, le gouvernement même a déjà fait deux projets de loi portant révision constitutionnelle. L'opposition en a fait deux. On n'arrivait pas à s'entendre. La CEDEAO a intervenu pour nous apporter appui, pour nous aider à trouver une solution. Donc pour nous, le texte qui doit être appliqué, c'est le texte de la CEDEAO. Donc il faut plus revenir dessus. C'est le texte de la CEDEAO qui doit servir de. Qui doit permettre un consensus pour nous deux. Parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre avec le texte de la CEDEAO du gouvernement. Le gouvernement n'arrivait pas à s'entendre avec notre texte. Donc le texte de la CEDEAO devait permettre un accord entre nous deux. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement laisse ça de côté et en même temps son projet de loi. Nous avons actuellement une proposition de loi, mais ce n'est plus la peine de la porter dans la mesure où pour nous, la CEDEAO devait servir d'avis et nous amener.